Moi, je n'ai qu'une ligne, c'est la justice doit être indépendante et tous les Français doivent être égaux devant la justice. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait d'autres lignes pour un pays comme le nôtre. Une démocratie, c'est comme ça. En disant cette reconnaissance est inscrite aujourd'hui dans les contrats de plan. Mais je voudrais que nous commencions cette réunion par un geste d'émotion, de respect et de gravité après l'attentat qui a eu lieu à Alger. Et je voudrais que, en pensant aux victimes, en pensant à tous les leurs, en pensant à ceux de nos compatriotes qui ont des liens avec l'Algérie, nous respections une minute de silence. Je vous remercie. Le climat d'un côté et le développement de l'autre, de l'Afrique abandonnée, s'il s'agit de poser et de défendre cette vision de l'avenir, nous n'avons aucune chance de le faire si l'Europe n'existe pas. Et je sais bien que personne n'en parle dans la campagne électorale, mais moi je le fais tous les soirs. Je considère qu'il est de notre devoir de dire que l'Europe est le seul vecteur politique, la seule voix qui puisse faire entendre ainsi un nouveau projet de société qui est en réalité un nouveau projet de civilisation. Alors oui, je veux réconcilier les Français avec l'Europe et l'Europe avec la France. Dans la manière dont la société française est organisée, de trouver pour eux-mêmes... Vive la République et vive la France! Mais j'étais venue surtout pour m'informer, parce que c'est vrai que je réfléchis encore, mon choix n'était pas fait. Et c'est vrai que j'étais très convaincue et j'ai trouvé M. Bayrou très intéressant et très bien. He will be a very good president for France because he's got a very good vision for Europe. So it's very important to conciliate Great Britain, France and Europe and with an international vision and to break out with Chirac, Sarkozy, which is a very old system.